nous parler de musique et surtout de ton concert. Chaque fin d'année, tu nous proposes un magnifique concert. Cette année, ça ne sera pas un concert, ça c'est un événement opéra. Ok. Parce qu'il faut le dire, le live, on a appris le live et au jour d'aujourd'hui, je reviens. Plus comme Daoudi Bango, je reviens comme leader, des jeunes leaders. Parce que nous sommes les jeunes leaders dans le monde musical. Mmh. Et je prie à toute personne et toutes les amoureux de la bonne musique pour bien vouloir faire un tour du côté de Naga Lounge. Le dimanche, dimanche 17 décembre. Dimanche le 17 2023. Décembre 2023. C'est cette année. Un événement pas comme les autres parce que ça sert mon boulot et mes choix, c'est ma vie privée. Tu vas parler. Mais s'il te plaît, arrête de faire les yeux doigts. Mon boulot et mes choix, c'est ma vie privée. Tu vas parler, ça va rien changer. Tu es même qui? Mais tu peux même quoi, mon ami? Tu es même où? Toujours placé pour nous juger. Tu es même qui? Mais tu peux même quoi, mon ami? Tu es même où? Toujours placé pour nous juger. C'est ton problème. Je fais la moto, tu te moques. C'est ton problème. Mire si pas doubé, allez djala. C'est ton problème. Je vis au Marika, tu te moques. C'est ton problème, Magic. Ah, c'est ton problème, oh. C'est ton problème. Ah, c'est ton problème, eh. C'est ton problème. Les lions vont gagner, tu te moques. C'est ton problème. Évidemment, c'est ce qui va se passer. Les lions et Nanta vont gagner. Voilà. Alors les gars, ils sont avec nous. Daoudi Bango, Mingi et Manfo Kwata. Alors Daoudi Bango, parle-nous de cette chanson dont vous avez fait la capella tout à l'heure. C'est ton problème. Dieu merci. Kwata s'est levé un jour, il m'a dit, il a une idée. Ouais, c'est un gars quand il dort, il pisse au lit. Il a dit. Non, si tu pisses pour lui, tu dis je mens. Hein? Parce que là, il faut pas que les auditeurs pensent que tu as pissé au lit. Alors que tu n'es pas pissé. Il fait comprendre que tellement on parle dans son quartier. On parle de lui. Des fois, il a même l'impression que si tu décides de mourir pour quelqu'un, il a, ça dit, ils vont même aller au niveau même des paroles, de te demander le pourquoi tu as décidé de mourir par accident. Pourquoi n'est pas par poison? Donc, il a décidé que chaque chose dont il fait aujourd'hui et que quand c'est plein, c'est son problème. C'est son problème. Okay. Et nous sommes passés en studio, comme vous le savez déjà, Hitmaker. De très longtemps que j'ai frappé le beat. Il est venu au studio, on a fait des prises de voix et bam, c'était parti. Au jour d'aujourd'hui, on compte déjà fixer la sortie officielle qui serait également le 17. Le 17, sortie officielle et spectacle de Daoudi Bango. On a rapidé, c'est ton problème. Rapidé, c'est le vidéogramme qui va sortir. Officiellement le 17. Dans ces jours-là, il y aura beaucoup à manger, beaucoup. Ok, beaucoup à manger surtout, c'est le plus important. C'est la base. Voilà, Armel, tu seras c'est la base, c'est la base. J'ai Armel qui claque déjà des doigts. Voilà. Oui, c'est intéressant donc, pour beaucoup de personnes. Et le tour, c'est comme je vous disais, le live, ça ne serait plus comme avant. On avait toujours vécu avec moi parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a quelqu'un comme Mingi. C'est lui le communicateur du show du groupe de du la groupe, base. Oui, parce que il a fait ses études en allemand. Mingi, please, can you introduce us? Ladies and gentlemen, merci Mingi. C'est vraiment un allemand, ce gars. Avec Macron. C'est un Deutsch. It's me, Mingi. Animation pour le son. C'est toi le Dieu suprême. Prends soin de tes enfants, les envahisseurs sont là. Comment on en a-t-il le Mingi? Wow, l'enfant de Dieu.
collaboration frangin d'Ao de Bango. Kilomètre et balais à moquer pour la colia musique. Musique Congo, musique Camerounais, musique Africa. Oh Yahweh, Yahfan de Dieu. Samuel Eto, Didier Goba, Asimi Gweta, Ibrahim Taoré, Papa Yo Yo Yo, Tawambaro, mon ami Tawambaro. C'était bon. Voilà, plaisir pour Mimi, s'il vous plaît. Voilà. Allez, va à Congo, il vient à la ménagerie. Ça concerne les gens qui étaient à Kinshasa une fois dans leur vie. Si tu n'étais jamais à Kinshasa, il faut pas parler dans nos choses. Voilà. Il y a Olivier qui était à Kinshasa. Il y a bon, Prisca. Non, moi je n'ai pas fait Kinshasa, ah, c'est Lumumbashi en fait. Ah, Lumumbashi. Ok. Lumumbashi. Lumumbashi, oui. Ok. Ok. C'est à quoi? C'est à quoi bang? Oui. 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 Ah oui, je connais. Ça va, mais si. Je connais Lumumbashi à quoi bang. Ouais. Tu sais, le Cameroun a raison d'être le continent. Bah, au Cameroun, on a la venue Kennedy. Brazzaville ici. Voilà, la Brazzaville. On a l'avenue Nelson Mandela. Mais c'est, il faut qu'on parte faire en soi. Nelson Mandela ce soir. Il y a marché Congo ici. Il y a marché Congo. Il y a Dakar. Il y a marché, c'est là-bas. Voilà, donc il y a tout. Il y a tout. Donc vous avez porté Congo Brazza là-bas. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Et moi, on a vu papa. Le patron des boss. Des sales au shopping. On air, machine, coton. Matato, par profit. The Hitmaker. C'est ton problème. Je fais la moto, tu te bosses. C'est ton problème. Minensip pas doublé, Alitchala. C'est ton problème. Je vis au Marika, tu te bosses. C'est ton problème. Minewada Jamsa, Alitchala. C'est ton problème. Je fais mon taxi, tu te bosses. C'est ton problème. Minevala Dada, Alitchala. C'est ton problème. Je gratte le garnap, tu te bosses. C'est ton problème. 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 Ça fait quoi si c'est pas un cololo? Ça fait quoi si c'est pas un mon colo? Ça fait quoi mon moulin? Mais ma joie, c'est ma vie. Tu vas parler, ça va rien changer. Mon moulin et mes joies, c'est ma vie privée. Tu vas parler, ça va rien changer. Tu m'aimes qui? Et tu donnes quoi, mon ami? Tu m'aimes où? Toujours placé pour nous juger. Tu m'aimes qui? Et tu fais même quoi, mon ami? Tu es même pour toujours placé pour le juger. Hey, ça fait quoi si c'est pas un de côté? Ça fait quoi si c'est pas un coulou? Ça fait quoi si c'est pas un mon colo? Ça fait quoi? Ça fait. Hey, Midewa Jamsa, Alitchala. C'est ton problème. Je fais la moto, tu te vois. C'est ton problème. Midewa pas doublé, Alitchala. C'est ton problème. Je vis au Marika, tu te vois. C'est ton problème. Midewada Jamsa, Alitchala. C'est ton problème. Je fais mon taxi, tu te vois. C'est ton problème. Midewala Dadam, Alitchala. C'est ton problème. Je gagne le grand neuf, tu te vois. C'est ton problème. C'est ton problème. Oh. C'est ton problème. C'est ton problème. Oh. C'est ton problème. C'est ton problème. Eh. C'est ton problème. C'est ton problème. Problème. Allons les filles en position à tout le monde. Ha ha ha. Wurte 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 wurte. Ha wurte 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 wurte. Attaco attaco le mo. Attaco 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 le mo. Attaco. Une dame capable, c'est ton problème. Kavwa Nandi, c'est ton problème. Biscuit de mer, c'est ton problème. Kami Makoso, c'est ton problème. Moustigo Charismatique, c'est ton problème. Joras, la dame d'affaires, c'est
ton problème. Le gâteau écoute, écoute. Ça, c'est un grand applaudi pour cette chanson. Elle est tout simplement magnifique. C'est une collaboration entre Dao de Bango et Man Fokwata. La chanson sera disponible à partir du décembre. Il n'a pas voulu qu'on entende le nom Magic Moko Big Manager. C'est toujours comme ça qu'il est, ce gars. C'est toujours comme ça qu'il est. Voilà. Rendez-vous le 17 décembre pour la sortie officielle du côté du Nagaland. Voilà, de cette chanson. Alors, Dao de Bango, il faut dire que vous faites également dans la comédie depuis un bon bout. Avec Manfokwata, Mingi. En fait, comme je disais, c'est qui me donne Manfokwata. C'est qui me donne le code de croire que le nom jeune leader, ça nous va. Ou bien, it's by merit, right? It's because we've got all it takes to actually lead. Là, voilà, tu es en train d'embrouiller Prisca. S'il te plaît, tu peux aller plus loin. Je disais que... No. You can speak in English, but go slowly, please. Il faut faire comprendre que j'étais en train de dire ceci. C'est qui me donne les codes? C'est lui qui doit traduire. Oui, là, Mais là, on est dans le bazar. J'étais en train de dire ceci. C'est qui me donne les codes de croire que le nom jeune leader, c'est pas venu n'importe comment, c'est parce que le groupe il est complet. Avec moi, tandis que Dieu m'a béni avec sound engineering, aujourd'hui beatmaker et arrangeur. Chose qui n'est pas donnée. Lui, en tant qu'animateur, lui, il tourne très bien. C'est un très bon acteur et il chante aussi. Très bien. Je crois qu'avec cela, si on se développe du côté positif, on, d'ici quelques années, on serait des we're going to be a good example. Francis Nano, dans votre domaine. Non. Ah, Magic Lamborghini. Francis Ganon. Tu veux qu'il vienne nous battre? Oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent souvent entre nous là. Que si quelqu'un avec la force de Francis Ganon, c'est que. Amel n'a pas quelqu'un compris. Quelqu'un est venu ici avec les. Amel n'a pas compris. Oui, parce que je n'ai pas compris. C'est pour ça que j'ai parlé de Francis Ganon. Lui, vous voulez parler de DJ Khaled. Non. Moi, je dis, il peut être comme Francis Ganon dans son domaine. Il est super populaire. Sinon, j'étais en train de dire ceci. Nous comptons. Devenir des exemples que nous sommes d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai dit comme Francis Ngannou dans votre domaine. Tout ça pour se rattraper. Non, c'est ce que j'ai dit. Voilà, je comprends très bien l'anglais. Voilà, il faut. Ok, Mingi, tout ce que je venais de dire en français. Il doit nous traduire ça en anglais. Mingi, ben, c'est mieux qu'on arrête l'émission. Les amis, parce que là. Il aime me blesser. Voilà. Heureusement que lui-même il a reconnu que la fourmi allait se renverser. Alors, d'où vous vient l'idée, Man Fokwata, de faire la comédie? Ben là, c'est déjà du Kung Fu que les Mauriciens jouent là. Ils viennent de tacler Mumbanya. Avec mais Francis Ngannou. S'ils essayent ça, on va envoyer Francis Ngannou au stade. Voilà. Alors, Man Fokwata, d'où te vient l'idée d'entrer dans la comédie? Est-ce que c'est Dao qui t'a tiré un matin? Il a dit, on part, laisse la fière qui tu es en train de dormir, ils vont pas faire la comédie. Non, la comédie, c'est un truc qui était... C'est que j'ai programmé faire depuis. Ah, ok. Mais c'est juste que je n'avais pas des personnes avec qui travailler. Ok. Et... Lorsque Dao, on s'est rencontré ici à Douala, puisque je me connais avec Dao depuis 2018, et en s'étant connu au marché Gounamou Sadi, il m'a dit, wow, regarde, Dieu ici. Ok, la période où il vendait les arachides, oui. Tu sais que mon ex est en train d'écouter ça. Ben dis-nous, tu faisais quoi au marché Bounamou Sadi? Moi je connais pas. Tu faisais quoi au marché Bounamou Sadi? C'était les bâtons. Ce sont des questions. Il était avec Papy Sanguin. Oui. Alors, okay. Papy le jongleur, faut pas. Papy le jongleur. Papy des petits pays. Papy qui a dit que la chanson de Cabrini n'a plus appartenu. Tu es mon ami pour la vie.
Aujourd'hui c'est la famille. T'es choisi, tu m'as choisi. Dans mes soucis, on va t'unir. J'ai dit de fois, tu me supportes. C'était sa chanson? Ah, non, mais oui, tu ne sais rien? Je suis sûr que tu ne sais rien. Moi, je ne sais rien. Ok, raconte-nous. C'est où? J'ai dit à Dao, vraiment, déjà que nous sommes. Bon, c'est Dao qui me propose, mon petit, déjà que nous sommes dans une même ville. Mm. Pourquoi ne pas s'associer et travailler ensemble? C'est où j'ai dit, waouh, c'est aussi une bonne idée. Alors, c'est comme ça que je me lance dans le projet avec Dao. On a commencé avec la comédie. C'est où l'idée aussi du son, c'est un problème, est venue dans ma tête. Pourquoi ne pas sortir un truc un peu du genre? C'est où je lui ai donné l'idée. Dao de Banga a dit, ok, comme je suis beatmaker, ça ne dérange pas. Dao a frappé le beat. Deux jours après, il est rentré avec le beat. Après un jour, nous sommes passés au studio. Et le son est sorti. Et c'est tout. Donc, comme vous avez suivi tout à l'heure, c'est comme ça que je me suis lancé dedans. Et aujourd'hui, tout va bien avec Dao de Bango. Nous travaillons bien. Et aussi, un ami qui est venu nous joindre, Mingi Mingi, l'enfant de l'eau. Et c'est où nous avions formé le nom, les jeunes leaders. Ok, super. Mais Dao, parle-nous de la comédie. Comment vous décidez? Ça vous pique pas où avant que vous... La comédie, à la base, chez nous, c'est quelque chose qui est... Tu es né avec? Je dirais inné. Okay. Parce que. Papy, c'est ton oncle. Oui, papy en tant qu'un grand frère. Papy le jongleur, les amis. Lui en tant qu'un grand frère. Alors vous êtes une famille de Saint-Saint. On va faire comment N'est-ce pas, ça nous empêche quand même de voler. En même temps. Si ça lui permet de manger, tu vois un peu. Ouais, c'est le plus important. Donc, honnête. À vrai dire, vous saviez. Quand tu vis avec des personnes et de temps en temps ils te disent que Magic tu m'embêtes, Magic tu m'embêtes, c'est que il y a quelque chose en toi de particulier. Si c'est ton talent et que tu développes ça et que Dieu met la main, ça peut ça va marcher. Aboutir à quelque chose. Donc depuis mon enfance, tous mes camarades de classe peuvent avouer. Il y a des moments où finalement, j'ai cherché à être sérieux, mais le plus je veux être sérieux, tu ne parvenais pas. Le plus ça fait rire. Et en 2022, quand papy et Cabral ils se sont séparés. Ils ont eu des problèmes à cause de la chanson. Oui, et en tant que Cabral. C'était la chanson de qui? C'était la chanson de qui? C'était la chanson de qui? Est-ce que c'est ton problème? Mathis, c'est ton problème! Mathis, dès la caméra, la vraie du là-bas. Ok, ouais. Et quand ils se sont séparés, ils ont eu un problème à cause de la chanson? Oui. Papy, un jour, m'a appelé mon petit, viens me voir. En fait, j'ai fait une chanson et il voulait me conseiller. Quand je suis arrivé, du coup, il devait travailler, il devait tourner. Son cadre n'est pas venu à temps. Il était question que je puisse cadrer. C'est comme ça que c'est parti. Après avoir travaillé avec lui pour 3 mois, c'est comme... Tu peux aussi. Donc, au jour d'aujourd'hui, il m'a beaucoup inspiré. Inspiré. Magnifique vue de Brian Bemo. Ouais, voilà. Un très beau but de Brian Bemo. Voilà l'attaquant camerounais qui vient de marquer son premier but dans cette rencontre-là. Voilà. Attention, le VAR veut annuler le but, attention. Attention, le VAR. Non, comment ça s'est passé? La tortue. Quelqu'un a parlé de Mbimo. C'est quel ça? On ne peut pas annuler ce but. La tortue. Il revient. Il a raison. Non, il y a la VAR pour moi. Bon, oui. Oui, comme on disait. Rappelons que dans une minute seulement, nous serons avec Juan Ikoba pour décrypter la première mi-temps de cette rencontre-là. Ok. À cette époque-là, Michael Jackson, lui, comme il boxait par
Mais j'ai, là, j'ai l'impression que pendant qu'on jubilait, toi, tu as fumé. Non, mais Mike, c'est ça, non? Pour être Mike, il y a quelque chose qui ne va pas. Attends, Mike, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un problème. Il y a un problème. C'était quoi le sujet? C'est l'émotion. C'est Michael Jackson qui a boxé. Dao, s'il te plaît, écoutons d'abord ta musique. Voilà, on écoute la musique de Dao de Bongo. Et juste derrière, on va revenir à Juan Ikouba pour le décryptage de